Vous parlez que Moïse Katumbi a vécu chez vous, dans les Cassis. Oui, chez moi, pendant une année, même plus, quand il suivait l'école, il était le jeune à ce moment-là. Et mon épouse est là. Katumbi était chez moi. Elle a quitté chez moi quand il devait aller à Sapporo, à l'internat. Moïse Katumbi, c'est mon neveu. Il est le fils de ma sœur Kiapwe Virginie. On dit que la mère de Moïse est Zambien. D'abord, c'est une injure. Hein? Quelqu'un qui est congolais l'a envoyé en Zambie. Et puis, moi, j'ai servi, d'abord, du temps colonial à 19 ans. J'étais à l'armée coloniale jusqu'à l'âge de 24 ans. Mais dire que nous sommes des Zambiens, alors là, c'est une injure. D'abord, la mère de Virginie est princesse. Elle est née de Mukanda Bantu, le fils de Moussiri, le roi du Katanga. Je peux dire le roi, parce que c'est lui qui a dominé tous les Katanga. Pourquoi est-ce qu'il devait enlever Moïse de la royauté de Moussiri et l'envoyer en Zambie? C'est une injure. Il peut réclamer même les royaumes là-bas, tout ça. Donc Moïse est prince. Toutes les réunions de l'association katangaise, moi j'ai participé en tant que Congolais katangais. Je crois que même mon neveu, Moïse, l'a vu. Oui. Ma mission TV, le miroir du monde. Et vous vous présentez? Kandou Kapopoué Gilles. Moïse Katumbi, c'est mon neveu. Il est le fils de ma sœur Kiapwe Virginie. On dit que la mère de Moïse est zambienne. D'abord, c'est une injure. Hein? Quelqu'un qui est congolais l'a envoyé en Zambie. Et puis, moi, j'ai servi, d'abord, du temps colonial à 19 ans. J'étais à l'armée coloniale jusqu'à l'âge de 24 ans. Le camp de Rumangabo, j'étais la force publique. Le camp de Rumangabo, c'est nous qui avons construit. Et mon premier enfant, qui est actuellement préfète à Likasi, est né au camp militaire de Rumangabo quand j'étais un militaire. Donc, mais dire que nous sommes des Zambiens, alors là, c'est une injure. D'abord, la mère de Virginie, et princesse, elle est née de Mukanda Bantu, le fils de Moussiri, le roi du Katanga. Je peux dire le roi, parce que c'est lui qui a dominé tous les Katanga. Le roi du Katanga. Donc Moïse, je peux le prendre pour un prince. Suivant les coutumes et tout ça, Moïse est prince. Il peut réclamer même les royaumes là-bas, tout ça. Donc Moïse est prince. Mais c'est une injure. Hein? Pourquoi est-ce que il devait enlever Moïse de la royauté de Moussiri et l'envoyer en Zambie? C'est une injure. J'espère que vous avez vécu la période d'association katangaise. Oui. Toutes les réunions de l'association katangaise, moi, j'ai participé en tant que Congolais katangais. Vous avez quel garde? Jusqu'à l'âge, quand j'ai quitté le service militaire, j'avais 30 ans. Le service militaire de l'ancien colonial. Quel grade avez-vous? Bon, écoutez, cette période-là, les Congolais ne peuvent pas accéder au grade d'officier. On terminait les grades subalternes seulement. Que vous êtes avec Moïse Tshombe. Quel grade avez-vous? D'abord, quand j'ai quitté la force publique, hein, j'étais le chef de
de la police. Le chef du personnel de la police. Et en ce moment-là, quand Tshombe avait fait donc une arrêtée, donc quittant l'administration civile où j'avais pour devenir policier, j'avais le grade, je peux dire, de major. Le grade de major. Et puis ensuite, il y a eu des nominations et Tshombe était nommé colonel. J'ai des papiers et tout ça, signés par le président Moïse Tshombe lui-même. J'ai des papiers. Pourriez-vous nous expliquer votre expérience après la sécession? Après la sécession, Katangaise. Bon, après la sécession, j'étais commandant de la ville de Likasi. On m'a mis là-bas. J'ai des papiers de mutation. Ensuite, j'ai été envoyé aux États-Unis à l'Académie internationale de police. Quand j'ai terminé là-bas, je suis rentré, je suis allé à Kinshasa pour quelques mois, et ensuite, l'arrêté du ministre de l'Intérieur, Tshisekedi. À cette époque-là, c'était Tshisekedi qui était le ministre de l'Intérieur. C'est lui qui a signé même les papiers. En tant qu'inspecteur, je suis allé au Kivu. Et du Kivu, en 70, j'ai été muté pour le Kasaï. Et là, j'avais 5 territoires que je devais contrôler. Lubefu, Katakokombe, Lodja, Lomela et Kole. Les 5 provinces là qui étaient sous mes ordres, donc partout, j'ai mis des hommes à moi. Et je devais passer partout. Suivre donc la formation. Oui, pour la police. Oui. À l'Académie internationale. De police. De police à l'État-Unis. Oui. Alors, quel brevet avez-vous eu à cette époque-là? Des brevets. Le premier brevet, j'étais spécialiste de tir. Je l'ai dit, officier de police congolais qui était avec moi. J'étais le seul à avoir ce bulletin-là de tir, donc des qualifications de tir. Ça, un. Deuxième brevet, c'est celui de maintien de l'ordre. Quand il y a des troubles et tout ça, on doit intervenir, dégager cette histoire. Voilà, ce sont les deux brevets. Un pour le maintien de l'ordre, l'autre pour le tir. Tireur d'élite qualifié, je l'ai à la maison. Je crois que même mon neveu, Moïse, il avait lu mon premier test à Goma, chez M. Paquet, qui était le directeur, donc le chef de poste de télécommunication. J'ai fait l'examen là-bas. On m'a répondu que j'ai réussi ce test-là. Il était militaire. Quand j'ai terminé, je suis engagé ici à Lubumbashi, donc au poste de télécommunication. Et le bureau de centrale de la réception radio de la Caravia. Nous sommes les premiers à ouvrir donc le bureau là de radio et tout ça de Caravia. Caravia Lubumbashi. Nous sommes les premiers. Il y avait un à Kilobelobe, c'était l'émission. Et centre de réception radio à Caravia. Quand j'ai terminé avec la police, hein, quand on a unifié la police est devenue gendarmerie. C'était en 72-73. Alors, moi, je n'ai pas voulu entrer dans la gendarmerie. Là, ça devenait militaire. Alors, j'ai quitté. Je suis allé à la Gécamine et j'étais engagé là-bas. Et on m'a mis à la garde industrielle. Là, vous étiez
Vous étiez à la garde industrielle, vous étiez? Comment? À la garde industrielle, vous étiez qui? Oui, la garde industrielle. J'étais responsable, donc. C'est-à-dire que l'inspecteur de la garde industrielle. De la garde industrielle. À la Gécamine. À la Gécamine, oui. Et là, j'ai eu la pension de 19 ans. J'ai joui de cette pension-là. Il paraît que Moïse Katumbi a vécu chez vous, là à l'Ikassi. Oui, chez moi, pendant une année, même plus, quand il suivait l'école de l'été, le jeune à ce moment-là. Et mon épouse est là. Katumbi était chez moi. Elle a quitté chez moi quand il devait aller à Kapolo, à l'internat. Ma mission TV, le miroir du monde.